Salut, salut à tous, c'est Monsieur Wiko et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rugby Challenge. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer ma série en top 14 avec le RCT. Donc, peut-être qu'à l'avenir ou même bientôt, je vais faire une vidéo un peu astuce dans ce jeu qui pourra vous expliquer des astuces en touche, en mêlée. Coup d'envoi sur le terrain aussi, même dans le menu des fois. Allez, donc je vais continuer ma compétition en top 14. Alors, on voit que je suis deuxième avec 5 points de retard sur le classement pick, mais qui a un point d'avance. Donc si je gagne le match avec un point de bonus défensif contre offensif contre le Biarritz Olympique, je peux repasser devant car j'ai plus de, comment dire, de différence, pardon. Donc si vous cliquez en fait, je vais, si vous voulez voir, si vous voulez revoir mes autres épisodes, vous pouvez alors ou aller dans la description ou alors cliquer sur Montpellier Hérault pour le premier épisode, FC Grenoble pour le deuxième et le Stade Toulousain pour le troisième. Donc, mon équipe, toujours la même, hein, comme je dis, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Et j'ai envie de dire que c'est parti pour un match contre le Biarritz Olympique. Oh, mince. Oui, donc, je pensais faire ça comme type de vidéo aussi. Faire une vidéo Tribute d'Elon Armitage, car elle a fait un gros match, enfin une grosse saison plutôt. Et j'ai envie de le mettre à l'honneur dans une vidéo qui retracera sa saison top 14 avec tous ses essais. Allez, il y a, c'est parti, Wiener Stadium, où il y a une pluie, il y a une grosse averse. Nous voyons la composition du Biarritz Olympique. Je pense que c'était la bonne, comme je dis toujours. Je m'excuse auprès des fans ou des supporters du Biarritz si ce n'est pas la bonne, car je ne la connais pas. Et là, la fameuse équipe du RCT que maintenant vous connaissez si vous avez vu les autres vidéos. Allez, le coup d'envoi sera donné par l'ouvreur, enfin le demi de mêlée du Biarritz Olympique. Et c'est parti! Dani Rousseau récupère la balle, il fait la passe à Guito. Fernandez Lobé. Astaro! Astaro trouve le trou! Astaro, peut-être. Pour la première action du match, il va aller en touche. Non. Et si. Et si, il est parti en touche déjà. Première touche du match. Allez. Hop là. Mince. Allez. Est-ce que Baptiste Botta va récupérer la balle? Non. Baptiste Botta ne récupère pas cette balle. Allez. Les Biarros sont à l'attaque. Les Toulonnais essayent de défendre Tony Macma. Allez, oui, peut-être une récupération des Toulonnais dans les rucks. Oui, bonne récupération des Toulonnais. Frédéric Michalak, qui passe à Smith. Smith, il est très dangereux. Ah, il tente la fin de passe, mais ça ne marche pas. Frédéric Michalak, encore une fois, qui replace ses joueurs. Allez, Sheridan à attaque. Makis Botta. Makis Botta dans le trou. Il fait la passe à Mathieu Bastaro. Bastaro, Bastaro pour le premier essai du match. Premier essai du match inscrit par Mathieu Bastaro. Ah, magnifique essai inscrit par Mathieu Bastaro. En un quart d'heure déjà du début. Alors là, on voit qu'il est sur le côté du ruck. Mais après une bonne percée de Bakis Bota, il fait la passe à Bastaro qui ne sert plus, plus personne ne peut l'arrêter. Voilà. Vraiment un bel essai collectif mené par une récupération de balle un peu plus haut. Va-t-elle être transformée par Johnny Wilkinson? Oui, transformée facilement par Sir Johnny Wilkinson. Ah, vraiment, du haut de ses 120 kilos, et encore peut-être plus, Bastaro a démonté tout le monde. Allez, c'est reparti. Allez, qui va récupérer? Ah là là, c'est les Biarros qui récupèrent cette balle. Les Toulonnais doivent être au ruck pour récupérer aussi la balle. Allez. Oh, ça s'écarte sur les côtés. Oh, sur l'aile. Ça va être dur. En avant. Et donc récupération des Toulonnais.
qui, vu qu'il soit allé en touche, il va avoir la première mêlée du match. Allez, donc les Toulonnais, je précise, il n'en manque plus que deux essais, ils ont le point de bonus offensif. Allez. Les Toulonnais ont la poussée, et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent. Ils ne s'arrêtent plus. Allez, Michalak pour Bastaro. C'est lui qui a inscrit le premier. Oh là là, en avant de Johnny Wilkinson qui donne un petit coup de pied. Et donc, les Biarros récupèrent cette balle avec un avantage. On va essayer de les laisser passer. Bon, s'ils jouent comme ça aussi. Voilà. Gros plaquage. Oh, attention! Il est passé! 2 secondes. Désolé. Allez. Peut-être que les Toulonnais récupèrent la balle. Non. Allez. Attention sur une règle extérieure. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non, il repique intérieur. Ouh, gros plaquage Bascaro. C'est la mi-temps. Il faut pas qu'il marque. Voilà, les Toulonnais récupèrent le ballon. Voilà, par une magnifique défense. Attention, Théon Armité, je trouve le trou. Essaye de repiquer. Mazur récupère la balle. Et la repère. Enfin non, elle la repère pas, mais fait une mauvaise passe que Guito réceptionne. Aïe. Pardon. Attendez. Hop là. Je fais mal. Bon ben, je dois renvoyer dans notre camp par erreur de touche. Allez. Matt Guito est sur la défensive. Va-t-il taper en touche? Non. Davis Smith peut-être à retomber. Allez. Contre-attaque de Davis Smith. Premier affût. Il peut pas aller plus loin. Mastaro. Passe pour Mazoé. Il fait la passe à Eman. Bruno. Fernandes Dobé. Le jeu est fluide. Fernandes Dobé trouve le trou. Rukilsom. Rousseau. Rousseau qui va tout seul. Ah, peut-être un essai de Dany Rousseau. Essai de Dany Rousseau. Entre les poteaux à la 56e minute. Alors que la mi-temps n'est pas passée. Oh là là, magnifique essai de Dany Rousseau. Moi, je n'y croyais pas du tout. Là, je croyais qu'il allait se faire rattraper. Mais non, il avait un pilier, un talonneur après lui, et bon, ils n'ont pas réussi à le rattraper. C'est le deuxième essai du RCT dans ce match. Oh là là, vraiment magnifique. Allez, une transformation réussie pour Johnny Wilkinson. Allez, c'est la mi-temps, donc au Olympic Stadium où il pleut des cordes. Les Toulonnais dominent ce match avec peu avec 65% de possession. Et ils ont fait quelques erreurs de passe, mais beaucoup de libération de ballon et de passage de ligne aussi. Très bonne défense du RCT qui a permis de récupérer deux fois la balle. Enfin, plusieurs fois la balle plutôt, qui mena un essai juste après. Allez, Johnny Wilkinson est au bout et les Toulonnais récupèrent encore cette balle. Je parlais de cette magnifique défense dans les rucks. Oh là là, par contre, un petit en avant de Chris Mazoé. Ah là, dommage, c'était bien lancé là. Il perd la balle. Donc, je crois que c'est la deuxième mêlée du match, si je ne m'abuse. Allez. Voilà. Ouh, les Toulonnais poussent, ils font fureur. Allez. Michalak prend la balle. La donne à Wilkinson qui fixe, décale pour Bastaro. Bastaro, ah là là, il aurait pu éviter le premier, mais perd la balle et l'envoie directement en touche. C'est dommage, c'était l'essai, enfin c'était l'action du bonus. Ah, il faut qu'il récupère la balle maintenant. Ah non, balle récupérée par Eric Lund. Allez, les Toulonnais sont en main dans les règles et poussent et récupèrent cette balle. Encore une balle récupérée. Allez. Bastaro. Oh, je crois qu'elle est passée. Attention, récupération. Attention. Nouveau turnover. Les Toulonnais récupèrent cette balle. Allez. Il reste 20 minutes. Il faut qu'il marque un essai. Allez. Pour Wilkinson. Wilkinson qui croise avec Rousseau. Wilkinson encore intérieur. Wilkinson, la fin de passe, et Wilkinson, essai de Johnny Wilkinson, l'essai du bonus offensif. Oh là là, essai de Johnny Wilkinson, en force, mais il sera arrivé. Enfin, une bonne tactique, on voit Michalak qui prend un joueur, Wilkinson essaye de croiser avec Rousseau qui ne sont pas entendus, et là, Rousseau, 1-2 sur Wilkinson, qui, même s'il se fait rattraper par l'arrière et par le centre,
Eh ben, il arrive quand même. Va-t-il transformer son essai? À suivre. Johnny Wilkinson pour la transformation de cet essai. Passe entre les poteaux. La transformation de son essai. Wilkinson est en vraiment en pleine forme aujourd'hui. Toute transformation passée. J'ai envie de dire chapeau. Allez, les Toulonnais, maintenant faut qu'ils le conservent ce point de bonus. Faut qu'ils le conservent, qu'ils le gardent. Enfin voilà, il faut qu'ils fassent tout ça. Allez, Vernes Lobé, qui croise avec David Smith. David Smith pour personne. Aussi pour Bruno. Bruno pour Wilkinson. Oh là là, en avant de Donnie Wilkinson. On aurait pu éviter cet en avant car à 7 minutes de la fin du match, tout peut encore arriver. Tout le monde peut se prendre un essai. Allez, les Toulonnais poussent et récupèrent encore une fois cette balle. Mais vraiment, aujourd'hui, ils sont en forme, les Toulonnais. Allez, c'est parti. Oula, passe pour personne. Wilkinson récupère, pardon. Allez, Azoé pour Palisson. Palisson pour personne, encore une fois. Allez, Mazoé, oh là là. Les mauvaises passes s'enchaînent et la fin du match approche. Allez, c'est la fin du match. Alexis Palisson est poussé en touche. Et les Toulonnais remportent ce match avec le point de bonus offensif. Alors, même avec une fin de match dans les 5 dernières minutes un peu décevante où le nombre de passes ratées a été successive. Donc, 3 essais, Rousseau, Wilkinson et Bastaro. Vous pouvez toujours voter pour l'essai du match en mettant dans les commentaires 1 pour Rousseau, 2 pour Wilkinson, non, 2 pour Bastaro et 3 pour Wilkinson. On voit une domination autant sur le terrain, sur la position du terrain que la position du ballon. Même si beaucoup, beaucoup d'erreurs de passe persistent et beaucoup de libérations de balles qui mettent en marche le jeu et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de transpersion, enfin comment dire, de passage de ligne. Pardon. Donc, on va voir un peu le classement et nous sommes premiers avec 60 points de différence et nous passons devant le Castres Olympique avec le même point, on n'a que 17, nous avons 60. Ah, nous dominons avec 4 matchs, 4 victoires, avec 3 bonus offensifs intégrés. Ah, maman, c'est. Je suis content hein, parce que vraiment, cette partie, je l'ai bien jouée. On voit un peu les stats. Je suis passé. En total de victoires d'affilée, plus grand nombre de victoires. Je suis tenant du titre maintenant, avec le Castres Olympique. Maintenant, faut qu'il perde. Et en total de points, je suis à 3 points de l'aviron bâillonné quand même. Pas beaucoup. Et en transformation, si tout le monde en a fait 7. Bon, soit. On voit un peu stats de match. Ah, j'ai perdu pour les stats de match. Score le plus haut, 36. Ouf, ils ont éclaté, je pense. Plus grande marge de victoire, 24. Ah, bah c'est aussi le Stade Toulousain. Plus grand nombre d'essais, 6. Non, 5. Deuxième. Et plus grande transformation, 3. C'est 4. Ok, j'ai tout de moins. 1. Voilà. Bon, il manque 3. 3 points, c'est rien. Là, il manque 1. Et là, il m'en manque 1. Pour le pénalité, 2. Et pour le drop goal, 1. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de faire cette série. Prochain match demain contre le Racing Métro. Vous pouvez donc aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou dans la description. Vous pouvez liker cette vidéo, lâcher un commentaire, ça me ferait plus plaisir. Vous abonner à ma chaîne. Allez, salut, salut, salut!